Il faut aller vers Jean-Luc. C'est une heure, hein. Absolument. Ouais. Mais ça enregistre, hein. Tu peux dire des conneries. Non, mais je sais pas dire. Ah, voilà le beau gosse. Beau gosse. Lui, beau gosse. C'est moi. Ouais, beau gosse, il a dit. Ah bah, qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah, je la sais réponse. Pas. Je suis beau gosse ou pas? Tu dis, venant d'un spécialiste, je le prends pour un compliment. C'est ce qu'il faut dire. Bah, je le prends pour un compliment, voilà. Venant d'un beau gosse lui-même. Venant d'un beau gosse. Ça, c'est des bons choix. Voilà, ça, c'est des bons choix. Vous voulez dire des choses? La journée de la femme. Ah oui, c'est la journée de la femme. Ah oui, la journée de la femme. Vous n'avez qu'une journée dans l'année, alors bonne journée. Merci. Alors, dites quelque chose pour la journée de la femme, madame, s'il vous plaît. Je souhaite beaucoup de bonheur, qu'elle ait beaucoup de droits, voilà. Et beaucoup de santé. La santé, ça, c'est... Surtout la santé, ouais, bah ça, oui, c'est... Surtout voilà. les droits. Voilà, eh bien, c'est très bien. Il ne faut pas que ce soit maladroit, quoi. Vous pouvez répéter? Les gamins sont là et c'est les anciens. C'est la journée de la femme, elles veulent des droits. Il ne faut pas que ce soit maladroit. Absolument. Madame Strobel, on est dans le temps Daniel. Daniel, sorti des toilettes, moi je ne suis pas allée pour... Oh non. Hein, ça serait c'est déjà dans les angles. Vous croyez comment Paulette qui était coincée dans les toilettes. C'est le jour de la femme. Elle était coincée. Elle avait commandé un thé qui était trop chaud. Ah oui, le thé était bouillant, elle n'a pas pu le boire, elle est partie aux toilettes, elle est revenue, elle était encore bouillant. Elle lui a mis de l'eau froide. Ah bon, on va monter après. On ne peut pas passer avec le camion, avec le camion. On va y essayer d'aller, là, sur la bouche. Donc, Thierry, c'est bon, on est tout bon. FR3 Alsace. Il y en a qui sont dérangés. FR3 Alsace. C'est la cigogne polluée. Donc le cargo, c'est la grosse arête qu'on voit derrière. Il va falloir aller choper la passerelle du fond, Thierry. Il faut choper la passerelle du fond. C'est ça, ouais. On va faire le tour comme ça. C'est fini. Qui nous prend en photo? Pourquoi il n'y a pas un pilier? Et la dame, il croit que c'était militaire. Et tu sais, avec ton combinaison. C'est pour ça qu'il l'a présenté à un moment. Ah ouais, parce que tout le monde se commence à coucher. En plus, c'est un contenu militaire. D'habitude, c'est vrai, il est en costume. Eh ouais! Oh, t'es venu quoi? Les chasses, t'es venu faire la guerre ou quoi? Ben, on m'a dit qu'il y avait des. D'habitude, dis tout le temps que toi. Je suis en train de filmer. Tu fais zoom là? La queue.
On va arriver, on va arriver. Comment tu fais zoom en enregistrement? Ah, mais là. Bien, Guine. Je mets ça sur Face aussi. Appuie, ça y est. Ok, il est bon. Je pense que c'est bon. T'as vu, t'as envie de prendre. Oui, et puis même peu, si on peut en faire un peu au niveau du bâtiment et de la visite, vous me disiez que c'était possible apparemment. Oui, mais si vous pouvez faire des photos. Hein. Ah oui, d'accord. Mais ne me prenez pas en photo, me dites. Ah oui, Aïe, aïe, avec la caméra. Oh là là. Mais madame, il faut bien, bonjour madame, il faut bien l'immortaliser le moment. Immortaliser. En plus, aujourd'hui, Vous êtes le photographe. Oui, absolument, je suis le photographe et caméraman aussi. Non. Et aujourd'hui, c'est 8 mars, madame. Ah oh, oui, d'accord. On joue les jeux, oui, avec ma voix. Non, c'est gentil. Bonsoir à tous. On est monté jusqu'au troisième étage. On entre maintenant dans la plus grande salle. Et c'est là, comme ça, vous pouvez aussi prendre place, que je vous explique un peu tout. Et après, sauf qu'on a déjà rajouté le croate, parce qu'on travaille déjà en croate. Ah oui. Nous sommes très progressistes. Oui. Immortaliser votre maison de pas. Non, c'est bien, je comprends. Oui, 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 vous oui. êtes du. Oui. Absolument. De l'association de... En plus, je suis journaliste, vous voyez. Ah. Je te laisse l'objectif. Tu veux faire une belle photo quand je me demande tiens. Ouais, ma poêle. Vas-y. Allez, passe d'eau. Non, mais ils sont bêtes. On va s'avancer là. L'Assemblée nationale est toute petite à côté. Thank you.
Tu choisis la langue que tu veux. Venez, va t'asseoir. Assieds-toi, c'est là-bas. Elle va nous expliquer. Ingin, avec ton appareil, ça fait pas joli là, pac pac. Pac 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 pac. J'aime ce son. Pac. C'est dommage. Moi je dis non. Toi tu dormais, moi j'étais devant, mais j'ai entendu. Oui, il est là. Il est là. Bon, je vais prendre un cheval qui se mettent tous ensemble. Mais ici, c'est que les, la semaine prochaine que les journalistes. C'est plein, plein, plein à craquer. Pourtant, il y a un beau centre de presse, mais c'est trop loin, en fait. Hein? On y rattrape ici. On y rattrape ici. Les députés. Non, je ne vais pas. Mais ça, c'est, ça sert à quoi, ça? C'est le micro. Ah, c'est le micro. C'est pour ça que je me suis demandé. Vous avez vu, vous avez à côté de vous le premier député européen turc quand la Turquie fera partie de l'Europe. Oui, mais c'est des jeunes qui font le vote. Ah oui, oui, mais c'est une bonne idée. Oui, mais les gamins, à l'intérieur, encore, oui. Les gamins trop plongés, c'est les gamins qui se perdent. Merci. Je vais les couper.